Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du championnat de France sur Formule 1 2003. Donc on va du coup lancer la séance de test, de qualification directement, pardon. Alors je vais juste de mon côté lancer un petit truc qui me permet que ça évite de laguer tout le temps. Voilà. On va faire passer aux joueurs directement. Et du coup, on est au Grand Prix de Monza. Je vais juste par contre de mon côté baisser un peu le son parce que le son est trop fort. Voilà. Et on est parti. Alors, je pense quand même que sur ce circuit, il va falloir qu'on fasse quelques réglages. Notamment des réglages d'aileron parce qu'on est quand même sur un circuit très rapide. J'ai peur que ça porte préjudice le fait de ne pas changer la configuration. On va voir à combien on va. Et suivant la vitesse à laquelle on est, on fera en conséquence. Donc là on va arriver au chicane. Je vais même pas regarder, je dis ça, mais je vais même pas regarder la vitesse de pointe. Expo ou quoi? Ouais, donc on arrive à la fin du championnat. Hein. Comme je vous dis, on commence à avoir le championnat, enfin le classement bloqué, dans le sens où on peut pas par exemple gagner de place sur certains aspects, parce qu'il y a trop de points de retard. Et on ne peut pas en perdre non plus parce qu'on a trop de points d'avance. Donc quoi. Là on va à 300. Oula, ouais, on a galère en vitesse de pointe, je sais pas pourquoi. Je le sens venir gros comme une maison. Oh, ça va être chaud. Ça va être chaud parce que c'est très serré ici. Oh là là là, attention. Ouais, il va être particulier ce circuit. Allez, on se remet en ligne. Bon. On va être particulier. Parce que bah, la moindre touchette sur l'extérieur, ça va être décollage assuré de l'autre côté du mur. Pas décollage. Un coup de raquette, on va dire. Allez, c'est parti, on va essayer de faire un tour propre. D'ailleurs, c'est marrant de parler des qualifications, puisque bah, en Formule 1, ils ont changé ça maintenant. Et on a la veille de Bakou. Et du coup, je ne comprends pas. Enfin. Donc du coup maintenant une séance d'essai a été supprimée et à la place une séance de qualification pour la course au sprint. Alors moi en vrai, je vais vous le dire. Je vais vous le dire moi. Sarkozy. Ouais, la roue va pas tenir en plus. C'est la roue. Ça me gêne pas trop en vrai, pourtant je suis plutôt quelqu'un de l'ancien temps, on va dire, au niveau de la Formule 1. Bah là j'ai pas trouvé ça trop gênant, mais c'est clair qu'on a vu qu'au niveau des essais libres 1, en fait de pas avoir beaucoup de séances, bah ça va compliquer compliquer certains trucs. Et surtout ça va réduire le temps d'essai pour les nouvelles pièces d'équipe pendant la saison. Donc c'est vraiment un double tranchant je trouve cette histoire. Et bah il y aura du bon et du mauvais écart, hein, sans doute. Et bah je comprends qu'il y en ait qui soient pas d'accord avec ça. Voilà. De mon côté, ça me gêne pas trop, parce que je pense que le côté un peu, bah, l'équipe qui est la plus performante à se mettre en rythme, bah, va se retrouver devant. Et ça laisse un petit peu moins de marge pour les équipes d'avoir des setups bien réglés. Mais ça fait un peu fouillis, enfin, je sais pas comment expliquer. Bonne partie. Ouais, j'ai fait un temps lamentable. Ça fait un petit peu fouillis, ça fait un petit peu bah, ce qu'on n'aime pas trop en F1, c'est le côté trop aléatoire, trop n'importe quoi. C'est que c'est marrant 2 minutes, mais on aime bien quand même quand il y a une hiérarchie établie, malheureusement. Parce que bah, c'est aussi une logique de bah, une équipe a fait du bon boulot, bah, elle doit être devant, donc elle a une meilleure voiture, elle doit être devant, sinon ça sert à rien, on t'en tirer des dés. Ça reviendra au même. Donc du coup, bah, un peu hors demi-teinte, mais je pense que ça peut quand même être sympa. Enfin, disons, c'est pas la pire décision qu'ils aient prise, je trouve, quelques années. Moi, j'ai peur que la pire décision, ce soit de faire les courses au sprint à toutes les courses, mais bon, à voir. Et puis ce système de pneus aussi. Bon. Voilà, j'ai même pas de commentaire à faire là-dessus. Ah, mais je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Ah, le traction control que j'ai mis au minimum, si je dis pas de bêtises. Voilà. Bon, on va faire une deuxième tentative. Je change pas les setups, même si je pense que je devrais, franchement. Parce que j'ai pas envie de VMAX énorme.
Et quand j'ai vu qu'au premier secteur on était pas trop loin, je me dis bon bah la VMAX peut-être c'est pas le plus important finalement. Comme je vous dis, ce jeu est pas non plus réussi non plus, donc c'est. Il peut y avoir des choses très bizarres. Par contre, il n'y a pas de pluie, tiens, c'est la première fois qu'on n'a pas de séance sous la pluie, je crois, donc. Alors en 2003, si je me souviens bien, il y avait une bataille Montoya-Schumacher qui avait profité à Schumacher, hein, pas à Montoya. Avec un joli dépassement à la chicane, je crois que c'est la seconde chicane. Elle est assez sympa cette saison 2003 quand même, parce qu'on avait trois prétendants au titre. Montoya, Schumacher, Raikkonen. Et ce qui est le plus drôle, c'est que le dernier en lice, c'est celui qu'on voyait le moins, c'est-à-dire Raikkonen, qui avait, bah en fait, n'avait pas forcément des bons résultats, si parfois il arrive à s'en sortir, mais je veux dire, il n'a pas beaucoup de victoires finalement cette saison-là. Mais avec la régularité que n'avait pas forcément bah, soit Montoya, soit Schumacher, arriver à être positionnable pour être champion encore dans la dernière course. Bon après, on a quand même gagné, mais je me souviens de Suzuka en 2003. Schumacher se retrouvait hors des points à un moment, et du coup ça pouvait presque permettre à Raikkonen, qui était deuxième je crois, ou troisième, de presque être champion. Malheureusement ça n'a pas été le cas, parce qu'il a remonté dans les points, et en plus Barrichello a remporté la course. Et d'ailleurs Montoya était en tête à ce moment-là. Non, Ralf Schumacher, je sais plus. Je sais plus si c'était Ralf ou Montoya. Du coup ça avait laissé le champ libre à Ferrari pour être championne. Alors... On a fait un tour en 1:27,1, je pense que c'est un peu mieux. Ouais, bah écoutez, hein, le setup, on a quoi il sert des fois. Hein. Et bah, fin de partie. On va du coup lancer la course, on va pas faire de bêtises. On va enchaîner. Oh, il pleut! Ouais, c'était L1, c'est ça. Bon, le problème, c'est que j'ai oublié de le relâcher au bon moment. Alors là, il pleut. C'est peut-être une bonne nouvelle finalement. Parce que bah, la pluie en général, nous on s'en sort mieux que. Ah, on prend bien l'intérieur. Oh là là, attention. Pas trop, pas faire trop toucher non plus. Alors ce qui va me faire peur, c'est la vitesse de pointe. Parce que je n'ai pas vu l'IA. Je ne sais pas quelle vitesse de pointe elle va avoir. Et j'ai peur qu'elle en ait une énorme. Vitesse de pointe, bien sûr. Oh le freinage, attention à la chicane. Oh là, attention. Donc on est 11e, on a gagné pas mal de places mine de rien au départ. Un départ correct. Bon, il freine ici. Oui, il freine, il y a un virage. Oh! Alors heureusement qu'il s'est décalé parce que je me le serais pris de plein fouet le pied de barre avec son moteur explosé. On a un rythme correct pour le moment, on peut aller chercher peut-être la Jordan. Avec aspiration, regardez comme c'est beau. Au freinage, on s'impose, on y va, on y va! C'est la 9e place. Alors les points sont devant. Mais alors je me pose la question du rythme après sur le tour suivant, parce que là c'est le départ, donc souvent ça va parce qu'ils se gênent tous entre eux, donc les rythmes de course sont pas super vraiment bons. Alors maintenant que ça va être dégagé devant. Alors en fait, au freinage. Ils sont pas là quoi. On est bien meilleur qu'eux. Alors 18 tours à parcourir. J'aurais dit plus. Schumacher est 9e. Et 8e, pardon. C'est pas ça 2003, alors en plus il n'y a même pas plu en 2003. Après le jeu, comme on s'en est rendu compte, était sorti je crois avant ces Grands Prix, donc. Il ne pouvait pas savoir que...
pouvais pas savoir que bah il allait faire beau pas beau à ces courses-là, les résultats, etc. D'ailleurs, petit aparté, chez Minardi en 2003, on a eu quand même une valse de quelques pilotes. Et normalement, je crois qu'on a eu Davidson, si je dis pas de bêtises, ou c'est en 2002, si je me trompe pas, j'ai oublié. Je crois que c'est 2002 où il y a Davidson. Et en 2003, on a le Danois, Andrea. Oh, Chiesa! C'est Andrea Chiesa ou. Non, c'est pas Andrea, c'est. Je confonds parce qu'il y a Chiesa avec C-H-I-E-S-A et Chiesa, le Danois, K-I-E-S-A. C'était comment il s'appelait son nom de famille? Nicolas, Nicolas Chiesa. Voilà, Nicolas Chiesa. Qui a remplacé le pilote 2 de chez Minardi. Wilson, ouais, le team Wilson. Du coup, pour la fin de saison. Et Chiesa, ce qui est assez à la fois intéressant et bon, dommage, c'est que c'est un pilote qui a fini toutes ses courses. C'est-à-dire qu'il a toujours fini ses Grands Prix, alors qu'il débutait, hein, et en 2003, bon, il y avait encore la fiabilité, il y avait encore la. Enfin, il y avait quand même des crashs à arriver, hein. Et ben, il a réussi à finir toutes ses courses. Il était pas ridicule face à Verstappen, franchement. Pas mal. Mais il n'aura jamais l'occasion d'avoir un baquet supplémentaire en Formule 1. Et d'ailleurs, qui est ça, ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'il récupère en fait le volant grâce à sa victoire à. Enfin, un petit peu aussi grâce à sa victoire à Monaco. Et la victoire à Monaco qui avait été donnée parce que le leader de la course, en fait, s'était stoppé un peu avant le drapeau à damier pour bah, se faire féliciter par son équipe, en fait, comme ça se faisait toujours à l'époque. Et le problème, c'est qu'il s'est arrêté trop tôt, enfin, trop tôt dans la ligne droite. Donc, en fait, il y a Chiesa qui a déboulé derrière, qui l'a dépassé sur la ligne, qui, du coup, a remporté le Grand Prix. Voilà. Pour la petite anecdote de Nicolas Chiesa. Qui du coup s'est retrouvé avec, avec la victoire en poche, alors que. Voilà. Et je crois qu'il n'a jamais rien gagné d'ailleurs en F3000 après. Hein. C'était sa seule victoire. Avec les kits. Je crois que c'est édité dans l'équipe d'Emblavis. C'est une équipe danoise, si je dis pas de bêtises, ou suédoise peut-être. Enfin, c'est une équipe nordique en tout cas. Elle ne peut plus exister maintenant. D'ailleurs, l'équipe d'F3000 qui existe encore, il n'y en a plus beaucoup. Alors, ça, c'est là beaucoup qui ont migré après en GP2, puis. En Formule 2, mais il reste pas grand chose. Hein. Je crois qu'il aura ses colonies. Ardennes peut-être, mais Ardennes existe encore. Je sais même plus si Ardennes existe encore. Il y a un petit peu. Si Ardennes existe encore. Il y a quelques équipes d'ailleurs, elles étaient très fortes. Ardennes était très fort. Je crois que maintenant, ils sont un petit peu à la rue depuis pas mal d'années. Et par ailleurs, les équipes comme Astromega, Nova, je sais plus comment c'est le deuxième groupe. Il y avait Nova Astromega, c'est marrant parce que ça faisait penser à deux équipes qui avaient pris comme nom des trucs de l'espace, quoi. C'était assez drôle. Mais c'est des équipes qui n'existent plus maintenant, en fait, qui à l'époque avaient de très bonnes performances en F3000. On va y arriver à remonter légèrement là. Faut pas faire de bêtises. On peut reprendre peut-être des points. Il y a 5 tours sur 18. Donc voilà, bah pour le petit aparté, qui est ça? Si vous voulez mon. Si vous voulez un côté plus personnel, quand je jouais en ligne, hein, sur un facteur dans mes ligues, etc., bah, j'utilisais en fait comme nom Chiesa, parce que c'est un pilote que j'aimais bien à l'époque. Quand j'étais plus jeune, hein, je crois que j'allais avoir 14 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, je me suis dit que ça serait marrant de le faire continuer une carrière en Formule 1 sur des modes. Donc voilà, c'était la petite aparté pour qui est ça? Allez, je vous m'arrête à 2 secondes. Et je crois d'ailleurs aussi que la dernière course de F3000, F3000 international bien sûr, hein, elle s'est déroulée à Imola, à Monza, en 2004. C'est la dernière course du championnat à Monza. Et il restait plus que 16 ou 15 voitures, parce que bah, malheureusement, il y a eu la crise qui était passée par là. Parce qu'en F3000, mine de rien, il y avait, dans les années 99-2000, énormément de voitures engagées. Hein. On avait des grilles avec 30 pilotes, etc. Et le plus hallucinant, enfin, qui maintenant fait sourire, c'est que on avait des qualifications, certes, pour la F3000, mais on avait quand même des grilles de départ, hein. Je parle pas des qualifications, des grilles de départ à plus de 26 pilotes. Ce qui fait que vous pouvez avoir des grilles de 30 voitures sur la grille. Bon, ça n'a pas duré non plus 4 ans, hein, au fur et à mesure des années, après 2000, ça s'est effondré. Il y a eu les coûts qui ont été augmentés, enfin, un peu comme en F1 d'ailleurs.
Et le plateau s'est resserré, 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 et tellement resserré qu'à la fin, il restait plus grand monde. Et surtout, l'attractivité des F3000, elle a baissé. Parce que certes, elle ressemblait beaucoup au F1. En vrai, il y avait très très peu de différence visuelle entre une F1 et une F3000 dans les années 2002-2003. Honnêtement, une F3000 pouvait ressembler à une Minardi. Hein. Et ça, certaines équipes avaient des couleurs, que ce soit encore un peu maintenant. Par exemple, dans le championnat F3000 de 2001-2002, on avait des couleurs par exemple du team Benetton, on avait les couleurs du team alors Minardi, je sais plus. Du team Arrows, du team McLaren, dans les années fin 90, avec Nick Heidfeld, par exemple. Nick Heidfeld. Oh la vache! Pourquoi? Non, je suis trop large. On va laisser ça au prochain tour. Et du coup, bah, on pouvait voir un mini plateau de Formule 1, en fait, en F3. Et en plus, ils avaient les pneus slick, hein, en passage, ils n'avaient pas les pneus rainurés comme en F1. Mais par contre, en termes de performance, eh ben, les dernières années, donc 2003-2004, bah, malheureusement, la F1 avait tellement pris de la puissance au niveau moteur, aéro, etc. Que, bah, en termes de temps, c'était plus viable. Ils ont du coup déjà relancé la série avec le GP2, qui a très très bien marché. Et bah, nouveau châssis aussi derrière. D'ailleurs, il y a un champion de 3000 qui a pas beaucoup de chance finalement F1, qui n'a jamais eu d'ailleurs, c'est Bjørn Vierdheim, si je dis pas de bêtises. Qui aurait mérité d'avoir un volant, hein. Honnêtement. Comme il était très bon en F3000. Il y a beaucoup de pilotes F3000 qui n'ont pas eu leur chance en F1. C'est aussi ça le problème, ça devenait plus l'antichambre de la F1. Et du coup, bah, quel intérêt d'avoir un championnat juste en dessous qui est plus l'antichambre de la F1, puisque aucun poste n'en revient. Ça n'a pas d'intérêt. C'est vraiment ce freinage-là, hein, que je récupère tout mon retard. Oh, la Ferrari à l'intérieur. Allez, je vais essayer de me concentrer quand même pour rattraper Schumacher. Ça va être difficile de dépasser une Ferrari, hein, vous en doutez, parce qu'il va avoir une meilleure accélération, une meilleure vitesse de pointe. Donc sur Imola, sur Monza, ça va pas être facile. Je suis sûr qu'on aura pas de problème moteur non plus. C'est marrant parce que les... Alors les projections sont bien faites, hein, franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Mais des fois, elles sont un petit peu grisées, donc on a l'impression qu'il y a un moteur qui casse devant, on sait pas trop faire la différence. Ouais, il y a vraiment que la chicane, hein, je peux dire comme ça. C'est-à-dire que si là, j'arrive pas à le dépasser à l'intérieur au chausse-pied comme je viens de le faire ici, c'est totalement un dépassement improbable, mais bon, il faut y aller, il faut y aller. Ça va être très difficile à dépasser, quoi. Oui, je sais qu'il est sorti des points, puisque j'en viens, j'y rentre. Ouais, bah dans les tests, je pense que j'ai pas une boîte, enfin, j'ai pas un réglage pour la vitesse, donc dans les virages longs, c'est avantage. Contre ligne droite, c'est pas la même. Alors, je n'ai plus souvenir si on a testé F1 2004. Je crois que oui. Mais bon, F1 2004, c'est quand même mieux que 2003. Enfin, en tout cas, ça a commencé à signer le retour de la série F1 dans les jeux corrects. Et bah, du coup, je pense qu'il y aura une continuité sur la saison, avec la saison 2004. Mais peut-être un retour à la case rallye entre-temps. Au tourisme ou autre. Avant d'enchaîner bah, ce championnat 2003, on verra. D'habitude, il faut que je fasse des essais, des tests. Bon, l'avantage, c'est que la piste est tellement étroite, même s'ils ont de la vitesse, bah, en gros, ils n'arrivent pas à me dépasser parce que bah, elle peut pas se décaler à droite ou à gauche. Il suffit que je reste au milieu, en gros, un peu indépassable. C'est assez paradoxal, puisqu'à Monza, justement, on peut
facilement dépassé grâce à ça, grâce au Imrot. Il faudrait que j'arrive à mettre l'aspiration de la Renault pour gagner un peu de vitesse, parce que là j'y suis pas, et du coup la Ferrari derrière, elle me rattrape d'un coup. Si je garde la ligne ici, voilà, c'est bon. Voilà, j'arrive à me rapprocher, mais c'est pas assez, c'est pas suffisant. Bah ouais, je perds la vitesse. Là, faudrait que j'accélère mieux. Mais je n'accélère pas assez vite. Voilà, la Ferrari m'a recalé à l'intérieur. Et du coup, elle va peut-être essayer de me dépasser. Je vais essayer de l'empêcher de passer. Ah, papa, papa! Ah, bah là, c'est mort! Oh, le carton! Le carton! Oh, on s'est fait un tonneau. Bah, honnêtement, je pense qu'en vraie vie, le mec est mort. Je pense que la vraie... Ah non, mais j'ai fait le... Ah, non, mais ça, c'est ma faute. Honnêtement, c'est entièrement ma faute. J'ai serré trop tard, en fait, hein, sur Schumacher. Et du coup, bah oui, il est en bas le vent. C'est évident. Ah, là, c'est totalement ma faute. Alors, par contre, je vais devoir un truc énorme. Bon, on a abandonné. Raikkonen a abandonné. Qui c'est qui a marqué le point de la 6ème... de la 8ème place? Qui c'est qui a marqué le point de la 8ème place? C'est Harald Schirmann. Alors je sais pas si on va avoir le reclassement derrière. Attendez, je vais voir juste si ça change, si ça re-switch. Si ça re-switch sur le vainqueur de la course, je crois pas. Non, ça l'a pas fait. Schirmann a marqué un point sur Alan Jordan. Ah bah ça. Bon, simple. Bon, par contre, j'ai fait, voilà, ouais, honnêtement. J'aurais pas dû me décaler, j'aurais dû attendre bêtement. En fait, j'ai laissé la porte ouverte dès le début et j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû recaler au milieu, comme je l'ai dit. Du coup, j'aurais pu rester dehors. Aïe aïe aïe. Bon, bah du coup on va voir le classement. Du coup c'est Baikilo, donc il a gagné le Grand Prix devant Montoya, Trulli, Ralf Schumacher, puis Schumacher, faut le faire, Alonso 2 points, et qui a marqué le point? Ben on l'a dit tout à l'heure, Ralf Schirmann qui marque les... Ben non, il avait déjà marqué? Non. Ah mais en fait c'est... Alors attends, ça c'est énorme. Fisichella n'a jamais marqué de points en fait. Le meilleur pilote de Jordan, c'est Ralf Schirmann. Donc ça, c'est assez inversé par rapport à la vraie vie. Bah du coup, il marque 2 points. Ah oui, je suis limite content pour lui. Pour nous, c'est un 0 pointé par contre. Et c'est pas bon. C'est pas bon parce que Trulli marque 6 points. Et bah avant ça, on avait que 2 points d'écart avec Trulli. Donc si on veut le rattraper, il va falloir faire une bonne course aux USA et au Japon. C'est ça. Ouais. Championnat constructeur. Bon, ben on l'avait dit, ça bougera trop. Nous, normalement, on n'est pas trop atteignable. À moins que Barr d'un coup se réveille, mais c'est fichu. C'est pas grave. Par contre, du coup. Et ouais, mais par contre, ouais. Jordan se retrouve à égalité maintenant avec Toyota. Mais comme ils n'ont pas fait une 7ème place en meilleur résultat, ils vont rester derrière. À voir. Jaguar n'a pas marqué de points. Donc Jaguar, pour l'instant, il est la bonne dernière de ce championnat. Mais en 2002, il était nul. Par contre, 2003, il était meilleur que ça. Hein. Je pense qu'il devrait au moins être au niveau de Sauber et BR. Hein. C'est la petite anomalie du championnat. Parce que la Jaguar de 2003, c'était vraiment une des bonnes années de Jaguar, comme 2004, d'ailleurs. Mais c'est marrant, parce que Jaguar, c'est quand ils ont commencé à avoir des bons résultats qu'ils n'avaient plus d'argent. Donc voilà. Bon, après, ils se font racheter tout ça, mais c'est un petit peu dommage pour eux. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. On se retrouve du coup pour le Grand Prix des États-Unis. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.